Salut à tous les amis, je suis de Fanta0974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Fanta Bob Games en compagnie du grand du magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bropocalypse 12, le retour des pédonazis de l'espace du futur. Oh, c'est comme ça que je l'appelle ce film, voilà, y'a aucun respect. C'est la même histoire que Wolfenstein, moi je dis plagiat. Du futur. Bah, du futur, sont, moi je tue des nazis du futur dans ma série. Mais du futur, important. Voilà. En attendant, on va continuer notre petite campagne, on est très content de vous retrouver, on vous invite à mettre un petit pouce bleu si ce n'est fait, et tout de suite on lance la mission, à tout de suite. Oh. Et on va arriver au niveau 3, le niveau 3 de la pacification. On a tout pacifié, c'est la Totska. Il y a des sources qui disent qu'en vérité c'est un vrai pays. Un pays qui n'est pas encore un vassal des États-Unis de Bromérique. Allez, on s'y pose, et s'ils nous demandent nos papiers, donnez-leur des chapes de plomb. Welcome to our Totska. Est-ce que tu as tes papiers, mon cher Fanta? Parce que moi j'ai un bon vieux passeport. Oh là là, j'ai même pas mon passeport! Je suis un chinois! Attention! Ah non! What? Sweet! What? Time cop! Vas-y, ralentis le temps, oh oui! Ah, il faut détruire le sol en dessous de ces trucs, sinon ça va spawner à l'infini. Ok, je comprends. C'est bon. Ah, je suis mort, c'est pas grave. Ok, je vais te sauver. Bruce Lee est mort, on est en accordance avec le canon. Joli, c'est attention à la mine. Voilà, belle esquive. Oh, impeccable. Lennon, allez, tape dans la main. Dans la main, t'es où? Tsui. Oh là là, combat d'inferme. Voilà. Chaque année, l'autisme. Allons-y, go. Okay. C'est bon ça. Ok. Yeah. Oh putain. Ah j'ai eu peur, c'est le chien qui tire sur la manette. Très bien vu. Ah je suis mort, ça m'a tué. Comment ça le chien qui tire sur la manette? Il a tiré sur le fil sans faire exprès. T'as Boubou qui... Il se fait attaquer par des vrais chiens, fanfan. Ok. La panique est totale. Yeah. Machete. Danny Trejo. Ah si. Joli. Tu veux changer un peu. Oh oui. Voilà, tout à la tronçonneuse. Les chiens ont été attirés. Ok. Comment on va régler le problème? Attention, ils se nourrissent. C'est bon. This is my boomstick. Boomstick tient. Tout va bien. C'est bon, ils sont finis. N'y descends pas. Attends je que ça se finisse. Pas. Voilà. Et toi, t'es mort? C'est bon. Oui, je suis mort, mais attends que ça se tasse. Voilà, super. Alors là, par contre, ça va être tendu. Oh putain, bon, ça a été réglé vite fait. Ça s'est fait. Oh ouais, dis donc. J'aurais pu finir ça avec panache, mais non. Il n'y a pas eu que le vôtre à l'arrivée. Pas grave, Monsieur Anderson et Uma Thurman, c'est bien Uma Thurman dans Kill Bill. Le Black Mamba. Ouais, voilà. Uma Thurman dans Kill Bill. Est-ce qu'on a une raison dans Kill Bill pour laquelle elle est super balèze au combat de samouraï ninja ou oui, c'est juste parce que... Elle a appris, c'est une tueuse professionnelle, c'est le Black Mamba, elle a appris avec Bill. Je ne savais pas, j'ai pas vu les Kill Bill d'ailleurs. Ça se regarde, ça vaut le coup, hein, toi qui aimes certains d'ailleurs, films. D'ailleurs, si je puis me permettre, regarde. Ouais. Christophe, on va regarder. Oh en fait, Kill Bill, Kill Bill a été, à mon avis, desservi par sa trilogie. Non, c'est pas trilogie, c'est une duologie. D'accord, deux films quoi. Ouais. Et le premier était super excitant et le deuxième aussi, mais en final, c'est qu'en fait, il a fallu attendre entre les deux et à mon avis, il aurait fallu que les deux sortent en même temps et ça aurait été parfait. Un peu comme les John Wick. Oula, voilà, vas-y. Droite. J'sais même pas. Si John Wick, c'est débile, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je connais pas John Wick. Par contre, je suis un plaisir fan interdit, de... voilà. Tarantino en général. Après, Freedom, c'est pas son meilleur film, hein. Moi, je préfère largement un Reservoir Dog. Attends, je vais t'aider. Mais il y a quand même tout ce qu'on aime chez un. Vas-y, balance un coup de Freedom. Ah, trop tard, c'est pas grave. Tant pis. C'est pas grave. Monte.
Ouais, c'est pas le meilleur Tarantino, mais c'en est un très bon. Ouais. Très bien. Écoute, qualitatif. Là, on est bien. Moi, j'aime bien comment on discute film et cinéma alors qu'on est en train de pacifier le pays de la Tosca. C'est vachement plus jungleux qu'on aurait pu l'imaginer, ouais. Et du coup, les combats de samouraï, ça, je pense que ça aurait pu te plaire. Parce qu'en fait, c'est souvent très, très caricatural, Tarantino. C'est caractéristique oui, des films à la Sam Peckinpah, où tout s'attire de partout. Voilà, je veux bien que tu me sauves. Pardon, excusez-moi. Voilà. S'il te plaît. J'arrive avec la classe. Chaque année, l'autisme. Allons-y. Fait beaucoup d'abonnés attention. À Fantabob Games. Ouais, c'est ça. Allons-y. Tout va bien. Grenade. Oh, il les pousse du cadavre. Donc du coup, j'ai un 6 coups, tu vois. On sent bien le 6 coups du... de Harry. Oh. C'est surtout sa femme qui le sent. Vas-y, c'est bon. C'est sûr. Impeccable. Il est pas gay. Alors attention, te fais pas avoir. Bien joué. Petite salve. Des petites salves. Voilà, c'est bon. Adieu, Rambo. Ah putain, il est fort. Il s'est barré en temps. Tu vas pas m'avoir, s'il te plaît. Un minimum de respect. Rambo fera tout pour accomplir la mission. C'est pas ma guerre. Il faut qu'il aille voir les viettes. C'est ça. Alors ici, on pousse, il paraît qu'il y a un petit peu de science-fiction, qu'il y a Alien et compagnie. Ah merde. Il est fier de lui. Ah ben, oui, c'est pour ça, il... Hop, t'entends. Oh ! Voilà, c'est bon. Merci. C'est bon, je maîtrise. J'aime bien MacGyver. Oh, le poulet ! D'ailleurs, si tu utilises ton super pouvoir, ça fait un poulet comme ça. Et en fait, tous les ennemis arrêtent de t'attaquer. Ils se dirigent vers le poulet chargé. Et ils vont tous se suicider. Mais tu peux être devant eux et ça sert à rien. Ils t'attaquent pas. Ah, intéressant. Allez. En fait, c'est vraiment la diversion, quoi. Et tu sais qu'ils ont fait un remake qui a l'air complètement nul, de MacGyver ? Est-ce qu'il est blond seulement ? Oui, mais elle est mis trop, quoi. Il est blond et jeune, enfin il est pas du tout MacGyver quoi. Oh la vache. Si ah merde. Si Fanta, je vais te sauver grâce au super pouvoir de vampire de Blade, qui est un demi-vampire à cause de sa maman. C'est excellent ça. Putain, mais quelle précision, les nonnes, incroyable, les jouissances, incroyable! Là, c'est beau, hein. Moi j'aime bien Blade. Enfin, Blade, pas forcément le perso, mais le perso à jouer, il est cool. Moi j'aime bien Blade, le film était cool. Les films étaient ok. Ah, vas-y, Ok, c'est bon, t'avais raison. C'est ma faute. Le terror canon! C'est pas grave, ça y. Allez, je suis mort, venge-moi, utilise tes ultras! Ah, et ton ultra, c'est un missile que tu peux diriger. Ah merde! Brave. Okay. Brave. On a survécu, go. Le boomerang. Par contre, bon. J'ai totalement ce qu'il faut pour le niquer, lui. Vas-y, attends, je vais changer dans ce cas-là. Hop. Puisque oh oui, j'ai le lance-roquette. Attention. Oh. Oh. Yeah. Oh. Oh merde, je suis mort. Bravo. Bob Lennon les a tués tous, tout seul. Ton canon, moi j'ai un cadavre sur mon tank et barre-toi, t'es en train de me rayer la peinture. Tank girl. En fait, le pays a été libéré, mais en même temps, tu vois, il continue à crouler sous les flammes. C'est croulé, ouais, c'est ça. Ouais, il faut qu'on aille faire le C, mon cher Fanta. C'est pour des bonus. Ok. Voilà. C'est une opération secrète. Un gros seul doit recapturer les caisses de ravitaillement qui sont tombées par erreur dans ce pays. D'accord. On voulait leur livrer du riz, on leur a livré des bombes. C'était une erreur logistique. Attention, mission secrète, mon cher. Ah, moi j'ai planté. Ah non. Mission secrète. C'est toi qui as planté ? Non, moi je joue là. Je te vois. Secrète, ça veut dire quoi ? Il faut pas se faire repérer ? Mission secrète, on a une vie et c'est marre. Pas se faire repérer. La mission est secrète.
D'ailleurs, t'as remarqué, on commence même pas avec nos grenades. Attention, des mines. Putain, il est fou. C'est comme ça qu'on les défait, les... Ouais, parfait. Merci. Le gars, il fait fêter le champ de mine. Fallait sur descendre. Moi. C'était, okay. C'était une erreur de ma part. Félicitations. Fanta, continue la mission. Non, sur la gauche, sur la gauche. Je crois gauche. Que j'ai rebondi sur toi. Ah ok. Ok, ok, ok. Boulevardage. Réinfiltration. Tome 2. Tome 2, tome 2. Essayons. C'est pas ah grave. Ouais, ok. Putain, j'ai pas de grenade. T'as pas de grenade ? Oui. Oui, les missions d'infiltration ne commencent sans rien. Parfait. Ah, bien joué, Bob. Seul dans la base secrète. Si bon, tant pis. Ok. Allez, les coachs, c'est pas pour rien. Un homme à deux, ça sera j'ai mieux. Essayé. Allez. J'ai essayé. Ah, attends, déjà. Faire s'écrouler une partie du décor. Voilà, ouais. Très bien. Ensuite, allez, vas-y, prends les, ouais, les munitions, d'accord. Voilà. Voilà, on fait un trou. Ouais. Attention, les cailloux qui s'écroulent, faire très attention à ça. Très ouais. Bien. Et là comment on le négocie, mon cher enfant. Ok. Bon, bah, ça c'est fait. Voilà, tu vois, j'ai négocié pour toi. Ah, putain. Bah. Ok, ok, on va y arriver. Ouais. On va y arriver, c'est quand même par pas contre, possible. Par contre, autant creuser ici. On creuse ici. On bourre par là, regarde. C'est bon, un passage a été ouvert. Vas-y, okay. Bourre, bourre, bourre. Et là, on descend en bourre. Attends, il faut être plus prudent que ça, monsieur Lennon. Ça tombe bien, je commençais à m'essouffler. Alors. Merde. Joli, ça. Très joli, ça. Ça y est, ça y est, ça y est. Bien joué, bien joué. Ok. Merde. Ouh là 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 là. Je me trompais de bouton, désolé. Tant pis, c'est pas grave. Ah, je peux te sauver. Bourre les grenades, d'abord. Une. Attention, ah tire dans la tête. Ah, il est tendu ce niveau, hein. T'as vu, il y a des non, missions d'infiltration comme c'est ça. Challenge. T'as vu, c'est cool. Angle passage à deux. Faisons juste très attention aux rochers ouais, qui ouais, tombent. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Boulder Dash ce jeu. Ouais, c'est ça. Oh merde. Attention, le rocher qui va tomber sur toi là, en fait. Voilà. Regarde. Ok. Attention, voilà. Très bien. Ah, attends, du coup, j'ai une idée. Ah, ça n'a pas marché. La mienne était de bourrer comme un gros tarbe. C'est bon. Bien joué. Ça s'est bien passé. Ok, ok. Ah, je te vois. Ça va libérer. Regarde ça, le chien. Boum. Les rochers. Le merdier. La grenade qui rebondit. Le calcul. Bravo, Bob. Deuxième grenade. Oh là 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 là. Et maintenant, le sauvetage. Impeccable. Yeah. Libre, ok. Attention. Attention, hein. Des rochers au-dessus. Voilà. Pas tout tomber. Idéalement, les faire tomber d'abord, tu vois. Impeccable. Grenade, par sécurité. Ça coûte rien. Et on y va à 3. Ah, ouais. Attends, claque la main. Ah ouais. Bro. Cool. Bah super. Un chacun. Super, ça s'est fait. Ouais, vas-y, ah. Bien sûr. Ça s'est fait tout seul, ça. Ah, attention, là, il y a des rochers au-dessus. Oh. Oh merde, j'aurais dû le laisser. C'est pas grave. Grenade de là, ça devrait passer. Ouais, super, regarde ce rebond. Bam. Attention, lui il suicide. Oh putain! Oh shit, il sort à l'infini! Oh, j'ai été eu par derrière! Oh, le rocher qui a failli t'avoir, je l'ai vu! Bien joué.
Quand t'arrives à les buter en faisant ricocher les grenades sur leur gueule. Bien joué, bien joué. On est bien. Viens chercher ça. Oh. Impeccable. Putain, t'es motivé. Oh yeah, c'est Bob, bon. on l'a fait. On est bon. On est les meilleurs. Oh, la liberté. Yeah. Libération d'une caisse de munitions. Excellent. C'est Je ne sais pas à quoi ça sert. Cover opération, il y en a une autre. Il y en a une par chapitre en fait. C'est là, tu vois. On en avait une de retard. Abricot. Ouais. D'accord. Ouais, il faut. Du coup, ça va nous donner des meilleurs bénéfices, c'est ça, des meilleurs drops. Oui, en fait, on trouve des super pouvoirs dans les niveaux en plus, tu vois. Les caisses normales se transforment en caisses bonus. Bon, il y a un taux de drop, bien sûr, mais c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Ok, très bien. Oh. Alors, attention, double tap direction to dash, ouais, ok, très bien. Ok. Pardon. Le gars qui lit bien les tutoriels. Ouais, c'est ça. J'aurais pas me moquer. Oh yeah. C'est bon, t'es libre. Ok, alors attends. Vers la droite. Attends, je vais tenter de suicide. Si, c'est ça. Ok, donc il faut vraiment dash à chaque fois. Ouais, grave, hein. C'est dash 201, j'avoue. Ouais, non, mais j'utilise la gâchette. Sinon là, par pas contre, c'est risqué. J'avoue que c'est complètement risqué ici. En fait, c'est des niveaux quand même différents de ceux qu'on avait fait quand il était en version alpha. Tout à fait. Tout à fait. Oh là là. Oui, t'es libre. Énorme. T'es libre et il brûle. Oh putain. Oh, bravo, mais t'es un champion. Allez. Putain, j'ai encore perdu. Je veux rentrer. Mais j'ai dashé. Mais en fait, cette fois-ci, il y avait une tyrolienne. C'est ça, je veux plus faire la guerre, maman. Ok. Je veux plus sauver Vandamme. Il était planqué dans les fourrés. Je veux plus jouer Vandamme. Oh non, mais on pouvait plus y accéder. Oh, c'était super. baisé avec nos personnes. Sinon, t'allais pas me sauver. Tant pis. Ok. Ok, attends, je vais changer de perso parce que... Ah putain, il y a pas. Ok. Alors, toi, avec ton perso, si tu laisses appuyer sur A, tu peux appuyer sur haut et bas, en fait, pour planer. D'accord? T'es un planeur, tu vois? C'est alors, ça, en fait. Donc, tu peux franchir ce... Non, quand tu sautes, tu laisses appuyer sur A et voilà, avec haut et bas, tu diriges ton planeur. Et tu sais, tu prends de la vitesse, puis tu remontes, voilà. Ah, impeccable. Vas-y, bute-le. Super. Ouais, moi ça passe pas. Ouais. C'est toi qui dois passer avec le planeur. Oh, mais attends, toi aussi tu peux avec un double saut. Ah bah, j'ai pas de double saut. Non, pas avec un double saut, avec un dash. Avec la. J'ai essayé le dash. Okay. J'ai essayé le dash, mais là il nous faut le perso spécifique. Mais si tu peux. Là, tu vois. Ah non, j'ai dashé là. Bah, essayons par le bas. Je pense qu'il faut juste descendre. Faut descendre par là. C'est vide. Par bas, c'est vide. Il faut que tu utilises ton planeur. Attends, je reviens. Tu peux me sauver si tu veux. Allez, ok, le professionnel. On remonte, on prend la tyrolienne. Voilà. Ok. C'est pas grave. Mais par le bas, ça passe pas. Regarde, si je descends là. Mais si. Y a rien là. Ouais, mais non, là, bah tu non, peux peut-être. Bah. Qu'est-ce que tu peux? Non, tu peux rien faire. Rien faire du tout. Il faut que tu utilises le... Ah, et que je te ramène de côté. Il faut que tu utilises le planeur, mon cher Fanta. Y'a pas le choix, donc vas-y. Suicide. Ah non, faut pas la péter avant, parce que sinon après tu spawns plus dedans. Ah, d'accord. C'est pas grave. Je comprends c'est chaud. Pourquoi c'est moi qui me le donne, le machin? Parce que t'as le planeur, t'es player one, c'est toi le héros, bonne chance. Il faut que t'appuies sur O aussi quand tu planes. Voilà, super, vas-y, bute-le. Ok, bute-le, voilà, maintenant plane. Attends, bute-le aussi. Attention à l'explosion. Super. Ok. Attends, plane. Je peux pas y aller par le bas plutôt? Ah si, c'est une bonne idée ici. Si. Alors attends, vas-y, tire. Avance doucement, tombe sur le prochain cube. Voilà, tire. Non. Ah oui, non, mets un double hologramme. C'est-à-dire, jette ta grenade. Et fais en sorte qu'elle atteigne la plateforme au-dessus là-bas, si t'y arrives. Oh putain! Ok, bah en fait, cet hologramme, en fait, quand tu meurs, il te re-téléporte sur l'hologramme. Ah. Là, c'est en fait, c'était.
Voilà, t'étais pas le vrai, t'étais l'hologramme. Ouais, et je me suis planté donc deux fois, parce que je suis très malin. Ah non, je suis pas mort. T'es pas mort. Ah si, mais je suis coincé. Ah bon, tu peux plus rien faire. Ok, il faut... Tire, restart level. Non, non, ouvre le feu. Je suis sûr que tu peux péter le mur, tu peux péter la pique, tu peux péter quelque chose. Vas-y encore. Non, non plus. Ah si. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y. Ah putain, vas-y. Putain, ouf. Pourquoi je suis coincé? C'est pas grave. Tu vois, je suis coincé. Tire. Putain. C'est bon, t'es libre. T'es libre. Ok, essaie de monter. But Satan. Prends les icônes, on se casse. Réfléchis ouais, pas, on se casse. Je pars avec c'est bon, un. C'est bon, okay, c'est bon. Voilà, y'a plus de problème. Ouais, les vitamines. Excellent. Bon bah c'est bon les alors. Les vitamines nous rendent blonds, enfin bons et musculeux. Les gens de ce pays ont l'air, parlent et agissent différemment de nous. Il faut y aller, bros. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. On se donne rendez-vous dans un autre, probablement pour plus d'action et plus d'années 80. Oui, plus de bro force. Et t'as vu, dans le prochain pays, il y a des gens qui ont l'air différents de nous. C'est inacceptable. Il faut leur apporter la démocratie par l'autoritanisme. Et ils ont fait un pays sympathique, hein. Ouais, t'as vu, ça ressemble à rien, c'est génial. Ouais. Tout ça, c'est trop fort. Dans tous les cas, on fait de gros bisous, braves gens, et on vous dit à la prochaine. Allez, zou. Allez, bis.